petit test avec le Big Block Shootout, la petite piste de course. J'ai tapé la manette pour qu'il roule en continu. J'avais vérifié combien de temps va-t-il réussir à rouler en continu. J'ai fait rouler 5 heures en continu hier. Aujourd'hui, ça fait 8 heures en continu qu'il roule. Je vais l'arrêter, juste vérifier. C'est le véhicule en quel état il est. Le tailleur est en train de dérimer. Wow! Le moteur est pas si chaud. Tailleur qui dérime. Le reste est tout à l'air beau. On leur repart. Pour un autre 4 heures aujourd'hui, je vais essayer de faire 12 heures par jour. On va voir combien de temps va t'offrir. J'ai parti ça à 9h15 le matin, j'ai rendu minuit et quart le soir, ça fait 15 heures en ligne que ça vire aujourd'hui. On va l'arrêter, on va checker de quoi que l'auto a l'air. Pas chaud. On va laisser reposer cette nuit. Demain matin, je vais leur partir pour une autre journée complète. Voir comment ça va taffer.
C'est la gueule là qui va lâcher. La pignon du moteur. Pas comme moi. Demain, il ne roule plus. Je dois vous avouer que je suis pas mal impressionné. Un autre 15 heures de rouler aujourd'hui pour un total de 35 heures. Et il roule encore toujours. Hier, on était rendu à 35 heures. Il a encore fait 15 heures aujourd'hui. On est maintenant rendu à 50 heures. Et oui, 50 heures de fonctionnement. Et elle roule toujours encore. Inspectons la voiture. Inspectons la voiture. Regardons de quoi a l'air le véhicule. Du tout usé, la guerre aussi, les tailleurs aussi, il est pas chaud. La guerre sans rien manger. Combien de temps pensez-vous qu'il va faire encore? Ça reste à voir. Demain est un autre jour. Je dois avouer que c'est assez impressionnant. Et oui, après 65 heures de fonctionnement, il est toujours en vie. Allons voir les dégâts.
Il commence à avoir une coche. Soixante et cinq heures. Même la pine, là, c'est dur à voir, là, mais. Elle est plus ben ronde. Puis la gear. Ça vient pas mal marrer. La gear du moteur. Et d'ailleurs. Ouais, ben. On dirait que ça va rouler à vie, ça. J'ai hâte de voir demain. J'ai acheté une version Moto Master que je vais tester. Voir si c'est aussi résistant, aussi durable que le AFX. Le AFX. Qui va être dans la prochaine vidéo.